Hello viewers, hello niggas, hello all my brothers, my friends over there, outside there, looking at us at Africa Zone. We want you to know that we are here again. We are in a new place to show you about the place 228, La Place 228. And you know, we are at a very beautiful place, a very wonderful place, an historic place that talk about the history of Togo, and that's why we are now. But before you know that, I invite you to subscribe, if you don't know. If you are not yet subscribed, I want you to subscribe and click on the bell of notification, and after that, we see more things. Okay? So, c'est ce que je voulais vous dire. Tout simplement que nous sommes là pour voir, pour parler d'un monument, qui fait partie de l'histoire du Togo, qui rappelle l'histoire du Togo, qui rappelle une histoire très vivable, très chic du Togo, et un monument, un lieu qui fait la joie de la population de Baguida, où nous sommes présentement, parce que nous avons quitté Lomé pour vous montrer que les places 228, ce n'est pas seulement Lomé, mais il y a les autres villes du Togo aussi. Donc après ceci, vous allez comprendre. Well, as I've told you, we are here to show you the monument, okay? This symbol of friendship between Togo and Germany, okay? This is the symbol that we are seeing here. This place has been erected in 1984, okay? From 1884 to 1984, that is 100 years after the Germany have the contract, they signed the contract to protect, to be with Togo. That's the first day, okay? It was on 14th July 1884. And 1994, it made 100 years. And that's why they made this one to remember that day, okay? Je vous disais que ce monument est le monument, on l'appelle monument centenaire de Baguida. Pourquoi centenaire? C'est-à-dire après 100 ans, 100 ans après le traité de protectorat signé entre le chef Mlapa et Gustave Nachigal à Togoville, ce qui fait que à l'entrée du Baguida, nous avons ce monument, après 100 ans, et une réalisation de Paul Haï pour montrer que l'amitié entre le Togo et l'Allemagne est éternelle, ou je dirais infinie, jusqu'à ce que le monde soit à sa fin. Donc cette amitié a duré 100 ans et à l'anniversaire des au centième anniversaire, je voulais dire, ils ont érigé ce monument. Et c'était sous le patronage de feu Nyansingbe Eyadema qui était le président du Togo en ce moment. Donc c'est le monument du centenaire. Et si vous voyez bien les signes, vous allez voir qu'on a deux femmes ici. On a deux femmes, une togolaise et une allemande. Et vous allez voir, l'autre est habillée en africaine. Donc c'est la femme africaine, la togolaise, et l'autre habillée en européenne. Donc c'est pour montrer l'amitié entre l'Allemagne et le Togo. Donc c'est un signe d'amitié. Ils se sont tenus les bras pour dire que l'amitié, c'est soudé pour l'éternité. Ça ne finit pas. Donc, c'est ça le secret de Baguida. C'est ça qui fait le symbole de Baguida. Donc, partout, vous verrez ce monument, vous verrez ce signe, vous saurez qu'on parle de Baguida. C'est à l'entrée du Baguida. Au fait, Baguida, c'est une ville qui est sur la route de Lomé à Néro. En allant à Néro, en quittant Lomé vers Néro, après le port autonome de Lomé, vous trouvez Baguida et le monument est juste à l'entrée du Baguida et au rond-point. Et il y a d'autres histoires, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Mais avant cela, je vous rappelle que vous devez toujours vous abonner à la chaîne Africa Zone et cliquer la chaîne de notification. Et s'il vous plaît, commentez. On a besoin de vos commentaires. Si vous avez besoin d'un lieu, si vous trouvez un lieu qu'on peut couvrir, qu'Africa Zone peut couvrir pour montrer la beauté du Togo, la beauté de l'Afrique, faites-nous signe. Dites-le-nous dans vos commentaires.
Okay? You see me sitting here, you know the reason why. No, the sun is so scorching at the other side, so I come here under the shadow to get a little shelter, okay? Because it's just to tell you, simply to tell you that this place is also a place of refreshment. You can come and refresh over here anytime you like, okay? There is animation here, there is entertainment over here. It's not only the this symbol you see there, this those statues you see here, but you have people who come here. We have bars around, yes, okay? There are bars here to entertain people in the evening time, even the weekends, okay? Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, comprenez-moi, c'est que si je suis ici, c'est parce qu'il y a trop de soleil de l'autre côté, donc je me suis caché un peu sur l'ombre du monument. C'est juste pour vous dire que ici c'est aussi un lieu de rafraîchissement. Oui, c'est pas seulement le monument qui est érigé ici, mais ce lieu est devenu un point de rencontre, un lieu de rencontre pour se rafraîchir, pour se divertir, surtout dans les soirées. Et si vous voyez bien, sans vous mentir, si vous observez alentour, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont déjà à des tables en train de se régaler. Un peu de bière, de coca, de cocktail, vous voyez? Donc, il y a aussi des arbres ici pour que vous puissiez vous calmer un peu les nerfs après avoir marché longtemps sous le soleil. Vous voyez, donc c'est ce que nous avons ici. Donc je voudrais que vous me suiviez, que je vous montre les bars qui sont autour ici. Et d'ailleurs, même à côté, il y a un terrain de foot pour la jeunesse. Donc le monument même, c'est complet, quoi. This place is very complete. You have everything here. Because behind the monument, you have a field here, a football field for the youth that they can come and display and to entertain themselves, to play sports, everything here, okay? So follow me, I will show you the bars around. Oh yes, I've told you. You know, this place has impacted the whole area. That we have bars here, we have bars over here. And every bar is named after the monument. We have Bar Le Monument, Terrasse du Monument, and we have Creperie du Monument, and we have Marble Beach, okay? We have all this here because of these monuments. And this place, as you know, the little story about this place is that all this place in the back years was full of trees, okay? In such a way that they have been calling it Atime. Atime means in the trees. Vous voyez, donc ce lieu était autrefois appelé Atime parce qu'il n'y avait que des arbres ici tout autour. Tout le lieu était que des arbres, donc on l'appelait Atime, Atime, Atime. Et c'était le nom d'avant jusqu'à ce que le monument soit érigé et ça prend le nom de monument. Et le monument a tellement impacté ce lieu que tout ce qui est ici est presque, a presque pris le nom du monument. Nous avons Bar Le Monument, la terrasse du monument et Creperie du Monument. Et on a à côté Marvel Beach. Et à quelques mètres même, il y a l'hôtel Le Monument. We made one stone to kill two birds at the same time, you know? Et on a fait d'une pierre deux coups. Vous voyez, nous sommes à la plage de Baguida. Après avoir quitté la place du monument, nous sommes à la plage du Baguida pour vous montrer comment c'est. Et vous allez voir, je suis sûr, ces pierres granites, ces grosses pierres, c'est pour vous dire la petite histoire autour de cette pierre. Vous voyez, comme la mer a commencé par ranger la plage petit à petit, petit à petit, il a suffi qu'une seule personne, dont je taire le nom, pour faire payer ces pierres, pour que ça puisse retenir les vagues, de continuer par dégrader les maisons, parce qu'il y a des maisons qui ont été détruites à cause de ça. Donc, en cela, j'avais appel aux gens de la diaspora, les habitants de Baguida à la diaspora. Vous pouvez continuer comme votre frère qui l'a fait, pour que la plage soit encore plus vivable.